Avant de faire ses premiers pas, bébé a besoin de découvrir les nombreuses étapes de sa motricité. Ramper, se redresser, s'asseoir ou encore crapahuter. Une fois par mois, donc on fait la bougeothèque. Donc le principe, c'est vraiment un espace libre pour l'enfant. Au niveau du, on va travailler la motricité de l'enfant. Et accès libre pour prendre un peu confiance en soi au départ, la première séance. Et ensuite, c'est vraiment un parcours moteur où vraiment ils peuvent monter sur les modules, etc. quoi. À Vendin-le-Vieil, la commune a souhaité mettre en avant la motricité libre. Une méthode qui voit le jour dans les années 60 avec le docteur Rémy Pickler. Le but ? Laisser bébé se déplacer en toute liberté et en toute sécurité. On a voulu créer un espace et un temps pour les 0-3 ans, hein, qui commencent à découvrir un peu leur corps, qui commencent à marcher, et qui vont pouvoir ici évoluer dans une salle en sécurité, sous le regard bienveillant des parents, hein, pour apprendre à se mouvoir, apprendre à sortir les sensations de leur corps. Et c'est un vrai succès, on profite pour réunir la famille entière, et effectivement, c'est une vraie réussite. Vous voyez, ce matin, nous avons 3 créneaux avec une dizaine de familles, donc... Oui, c'est quelque chose qui plaît et qui était attendu. Des modules adaptés à l'éveil et au développement des tout-petits, tout en favorisant la relation parent-enfant. C'est des activités qui sont très développantes pour la motricité pour les enfants. Ça leur permet de faire des activités et de bien se développer niveau moteur. On est déjà venu une première fois et là, c'est la deuxième fois. C'est sympa, je ne connaissais pas trop et c'est vrai que c'est plutôt sympa. On peut rencontrer d'autres enfants, d'autres parents. Et puis Alix, apparemment ça vous plaît beaucoup, donc je pense que ça ne sera pas une première. Profiter des ateliers mis en place par la municipalité, en gros des petits ateliers gym, donc pour développer sa motricité, voilà, histoire qu'il s'amuse avec les amis, etc. Bah, elle ne voit personne à la maison, elle est tout seule, alors du coup c'est cool. Les ateliers de la bougeothèque ont lieu une fois par mois sur inscription. Une initiative pour laisser bébé grandir et s'éveiller.